porter pour là, mesdames et messieurs, eh bien, BESAP nous connaît qui c'est Agence Nationale des Aires Protégées, levé campé là, et nous avons envoyé un message, by Ariel Henry, dans 72 heures de temps, si Ariel pas campé décision ça, question pour annuler badge agent BESAP, et nous avons cementé là, il a crié Golobé dans le pays, et c'est toute information ça, nous porter pour un dans vidéo ça, pas oublier ou sous-titrage la caille, et abonner avec canal là, avant même ou quitter canal là, pendant que vous regardez vidéo ça, une façon pour toujours recevoir vidéo nous. Je nous dis là, mesdames et messieurs, Wana met levé campé, Cap-Haïtien levé campé, Port-au-Prince levé campé, qui donc nèg BESAP yo cementé Ariel pas gagné grain nan de elle pour ta prendre décision ça. Et bien c'est Jovenel Moïse qui te mette nèg ça au service peuple haïtien, qui donc Jovenel par là. Et bien Ariel Henry pas gagné légitimité pour retirer yo. Donc nous pote un pile détail pour et n'a pas mandé rester connecté sous vidéo ça jusqu'à la fin, parce que nèg BESAP yo gen causé et nous va le fort en décausé n'a tout. Maron pour au cap, mais on a mettre les nous lever campé. T'es bon. La pression n'a pas manqué un vagabond. Puis mauvais. On bon, on garde le garde. Si mon parle dans l'armée, ça le commande la hausse quoi que ça. Puis mauvais. Et nous si. Bonsoir le monde, bonsoir Haïti. Et puis, ministère de l'Environnement, nous-mêmes, c'est BESAP qui garde les surveillances environnementales. Et nous soutenons le ministère de l'Environnement. C'est ANAP qui a commandé nous tous, qui c'est l'Agence nationale des aires protégées. Bon, nous-mêmes, notre département nord-est, garde environnemental BESAP, nous dénonçons déclaration. Manque de leadership, manque de responsabilité, ministère de l'Environnement fait, qui c'est monsieur James Cadet. Nous-mêmes, comme GAP Nord-Est, comme responsable BESAP dans Nord-Est, nous devons mettre tout agent en position 2. Et nous avons le ministère, 72 heures de temps, puis rentrer décision ça, le plus vite que possible. Après ça, coupez ta batoucrise. Parce que nous ne battons qu'à quoi? Que yon sep qui te ka rentre yon arrêté présidentiel. Parce que BESAP existait depuis la création du ministère de l'Environnement, Boniface Alexandre en 2006. BESAP ville opérationnelle en 2017, sous Jovenel Moïse. Il créé ANAP, qui c'est l'Agence nationale des aires protégées, qui est toute agence à eau là. Nous là pour protéger l'environnement. Nous là pour nous dans l'espace protégé. Nous saisissons comment le ministère de l'Environnement a que c'est bien ce qu'il est, qu'il est rentré à l'arrêté présidentiel. Nous disons c'est faux. C'est parce que le ministre de l'Environnement n'a pas une responsabilité. C'est parce qu'elle n'a pas un leadership comme un ministre. Là où vous faites telle déclaration pour ça, l'agence AO, qui a travaillé depuis en 2017, ou pour que j'aime pas au goût, volontairement, il y a plein de populations au service. Ou pour que vous fassiez une déclaration comme ça. Ou dire, pas de qui n'a pas existé encore. Quand on lague ça, quand on lague, quand on lague la population ça, comme un monde qui a dirigé un pays, est-ce qu'on sent que vous avez un leadership? Hein? Quand vous connaissez dans chaque département, il y a plus de 1000 agents BESAP dans tout département. Dans toute étendue territoire national, là. Ou dit pas que pas existé. En ton pays, insécurité à blahi, kidnapping, cadejac, vol, viol, ou dit pas que ça pas existé. Et qu'on y a qui joue la population, qui joue la guerre mounio, qu'on y a. Eh bien, ministre de l'Environnement, nous tous aujourd'hui, nous-mêmes dans Nord-Est, à bon entendeur, salut, ou qui 72 heures de temps pour rentrer décision ça. Après ça, tout agent nous est déjà en position de nous-mêmes, n'a bloqué le pays. A vous entendre un salut. Et tout ça, si vous ne connaissez pas nos gendarmes, nous-mêmes nous sommes gardes. Nous là pour protéger l'environnement. Nous là pour protéger l'environnement nous dans toute intégralité. Pour des raisons politiques qui font telle déclaration choquante, eh bien, ministère, nous tout, tout ça encore, ça va passer. Pour qui ça? Depuis 2017, nous avons travaillé, nous avons fait patra, nous avons tout côté net. Ou pourquoi je me sortis au communiqué
pour dire pour pas faire ma garçon ça au yon goud. Ou pas quand j'aime sortir un communiqué pour pas yon goud depuis 2017. Ou pas quand j'aime tant de côté au bar et nous l'envoler. L'ancien malhonnête. Nous qui sommes là, mais nous prenons. Journée jeudi après aux politiques divisées. Pour faire telle déclaration. Eh bien, ministère, nous tout ça. Ça va passer. Ça va passer. Préférez que nous tous mourir ou bien ou pas exister. Après, si on a pris un manque de vagabond, puis mauvais, on garde. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, j'en ai suivi là, agent Bessapio, lui-même, et qui lance un ultimatum par l'État, sa gouvernement, ça, pas pour rien. Hein? Et nous voyons que monsieur est quand même très sérieux hein, sous décision, yo, par un jouet là. Évidemment, et nous connaissons ça qui a passé en Russie, mais. M'a dit nous en même temps nous-mêmes qui gon combat important qui n'a mené faut nous pas quitter nous détourner des attention nous faut nous rester branchés sous dossier l'amour président Jovenel là Moïse mesdames messieurs évidemment ça qui passe en Ukraine en Russie li inquiéter nous également mais et pas oublier que monsieur Sayo il a profité de situation ça pour continuer faire série de vieux bagarres dans pays donc c'est une raison qui fait que nous-mêmes en nous style rester focus. On nous reste focus sur le pays d'Haïti. Je connais qu'actuellement, il y a pile inquiétude dans le monde là. Évidemment, je veux dire là, les nappes disent nous prier, nous pas disent nous prier simplement pour Haïti, mais c'est le monde entier. On va regarder des séries de vidéos, nous suivre sur Facebook, des séries de innocents, des soldats qui mourent actuellement. Bah, ça, moi-même, pas capable de prendre plaisir là-dedans. Je pas appuyer ni au camp ni au l'autre camp parce que moi son équipe est innocent qui a mouru là. Son équipe chrétien vivant et bon m'a tombé sous tête yo. Je dis à la confort que nous gagnons là, nous perdons là. Nous voyons qu'après que vous finissez par le de coronavirus, mais je dis à la, vous entrez avec la guerre. Donc, encore là, mesdames, messieurs, c'est sérieux. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous avons pays pour nous sauver. Voler ça aux criminels, ça aux qui sont pouvoir là. Place yo pas là. Place yo pas là. Et moi, gros amis qui font blague, lui dit, lui voit un message, lui dit Ariel Henry. Comme nous connaissons Soumounouye, pas le fou et bouchou dans le dossier la Russie. Ariel Henry, comme nous connaissons Soumounouye, pas l'entrée dans le dossier la Russie. Pas le bâle ni au côté ni au l'autre côté. Parce que nous connaissons aujourd'hui là, par rapport à la direction président Jovenel Tap prenvé la Russie, eh bien, M. Sayo, pas étonné. Pas étonné pour montrer que y a supporté yon camp, y a fait genre de bagay. Donc, s'il vous plaît, restez contre le camp en frère. On nous avance avec info et Pradel. Oui, pour que nous avons parlé de ça tout au niveau de l'Ukraine, eh bien, il y a une réaction pour qui ça qui vient pour ensemble avec l'évasion russe en Ukraine. Et bien, professeur de droit international Lucien Prophète pense que le conflit russe Ukraine c'est une réaffirmation et puissance russe par rapport avec Occident. Et bien, professeur a dit lui-même dit que les situations ça pas capable de provoquer une troisième guerre mondiale. Et bien, Jean-Claude Professeur lui-même lui a essayé de parler et micro et la presse. Quand que il y a plus de monde qui a parlé de et troisième guerre mondiale, et bien, professeur lui-même, il est très clair, il dit que ça lui-même n'est pas capable de provoquer une troisième guerre mondiale. Et bien, en suivant des déclarations qu'il a mis de fait, et quand il lui-même il essaie de parler dans le micro, et bien, il dit que pour ça qu'il vient pour eux, avec l'invasion russe en Ukraine, et bien, d'après professeur droit international là, eh bien, et monsieur Lucien Prophète, il pensait conflit russe et Ukraine, c'est une réaffirmation
et puissance russe par rapport avec Occident. Le professeur a dit lui-même que la situation ça n'est pas capable de provoquer une troisième guerre mondiale. En suivant, déclaration et que lui-même lui fait et Miko et la presse, côté que il y a un peu de monde et qui au même qui pense que et ça lui-même capable de parler de troisième guerre, mais là donc non, professeur lui-même lui dit que et ben ça lui-même il va provoquer à faire de troisième guerre en plus lui-même lui a parlé. En suivre et déclaration professeur et professeur lui-même qui t'a parlé dans micro la presse et Lucien Prophète. Nous qu'à comprendre ça qu'a passé là. Il y a une façon pour nous mettre de l'avant, c'est question sécurité d'un pays qui gagne deux gens au Cap-Ouest. Sécurité d'un pays ou bien on gagne une diplomatie qui forte ou bien on gagne une armée qui forte. Il y a pile côté qui pas gagne l'armée qui qu'à répondre à un guerre, il y a plus si t'as son question diplomatie. Ukraine gagne un paquet de pays occidentaux qui t'avait souhaité protéger, mais n'a pas les deux pays qui gagne frontière avec la Russie. Et la Russie, un pays qui a une force, l'armée qui est extrêmement puissante. Donc ça vient arriver là, où il y a une diplomatie qui est censée échouer, et vient trouver l'Ukraine, tout potentiel militaire gagné, il n'y a pas qu'à faire face avec la Russie. Voilà, et mesdames, messieurs, voilà. Donc oui, on a avancé. J'en ai dit, c'est important pour nous connaître ce qui est passé dans le monde là, mais nous pas placer Haïti, nous pas besoin d'inquiéter nous. Oui, Pradel. Oui, n'a pas avancé, et bien, nous voilà, la rapide de Pistou, là, et la Congo naïve, et bien, n'a dit que je dis, et t'es bien, ça n'a relé, et m'a chité à refaite, n'a dit que sous initiative pour ça, et puis, c'est la résistance à Timonite, force à Timonite 2020, assignée pour d'être, c'est le cas chauffeur moteur, la ville naïve, et un match pacifique qui est organisé dans la cité indépendance, là, matin, vendredi 25 février 2022. Objectif match pacifique ça d'après organisateur c'est pour lever voyo pour demander à autorité dans appareil justice là pour mettre voyo dans balance là pour capable river frapper toute action bandi a commettre les militants population match tout qui est parcouru plusieurs rues au niveau de ville Gonaïve et jeune support agent de l'audio dans ça qui est bien aware ensemble avec les affaires sécurité. En côté et déclaration et quelques nous même particulièrement monsieur Morse do et Dominique avec Messen Saint-Just qui même qui était dans et match là qu'on dit que même il t'a demandé de pas premier ministre tout en suivre déclaration Namiko la presse au niveau de cité indépendance Gonaïve. Oui mon Gonaïve prend la rue mesdames messieurs j'en ai suivre là et bien pas rien jouette Ariel Henry ça c'est pour Vle pas vle, faut qu'Ariel allé. En tout cas, mesdames, messieurs, message à lancer. Vle pas vle, Ariel pas capable de rester. Et Pradel, on nous avance. En tout cas, monsieur, comment ça chauffe? Oui, là. Yo, comment ça chauffe pour Ariel, là? Oui, frère. Oui, Pradel. Oui, Pradel. Oui, et je que nous t'apprêtons de lire, et bien, Abdou, que c'est un mouvement, ça, que j'ai matin, au niveau de cité. Et de présence, là, Gonaïve, n'a pas à poursuivre, qu'on y a quitté ça, nous allons aller au niveau de ville Jérémy, côté que c'est gagnant secousse, et qui fait que la population grande en passé toute nuit, jeudi 24 pour arriver, vendredi 25 février, dans la rue, après quatre gros secousses qui frappaient le département grande en ville là, qui était plongée dans un blackout, et depuis